Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de raid. Alors, on est actuellement sur la base de Nambavan. J'espère que ça se prononce comme ça. Base level 3 que j'ai trouvé sur YouTube, qui a été raid assez récemment, je crois. Ça va me revenir. Wayne Devos, voilà, qui a été raidé hier. Donc, il y a quelques trucs sympas à récupérer. Alors, pick-up vide, patch chopper, il y a besoin d'un seul C4, et puis on va ouvrir toute la base. Donc moi je vais passer par là. Est-ce qu'il y avait le chenil? J'ai pas fait gaffe s'il y avait le chenil. Parce que concrètement, je vais me limiter à juste quelques... Non, il n'y a pas le chenil. Oh, t'as faim, mes mères. Il y a Jeannette à la fin. Il n'y a pas de chenil. Ok. Donc on va essayer de faire un petit peu plus vite que Wayne, parce qu'en fait sa vidéo est un petit peu longue, mais bon, il tape les bons coffres, donc on lui pardonne. Alors moi je vais déjà ouvrir les coffres, hein, comme vous savez, où je sais qu'il y a du loot. Donc ça va être ces trois là dans le premier temps, et puis je vais essayer de voir, continuer par ces trois là. Wayne ouvre les autres, et bon, ici vous avez trouvé des soins, une plaque de police. Bon, rien d'extraordinaire. Il y a deux circuits, je crois, à récupérer. Perso, ça ne m'intéresse pas, j'en ai plein et je m'en sers pas. Donc pas utile pour moi. Voilà, la petite Scar que je peux modifier maintenant parce que j'ai fait les mods. On va s'occuper de la vague de Zombac. Hop, on va préparer des steaks tartare de zombies. Allez, Jeannette. Alors ce matin, j'ai une très très bonne vengeance. Et là, ce soir, le raid va être un petit peu plus mitigé, je pense. Bon, il y a quelques armes à feu. Bon, c'est pas dégueulasse, hein, ce que je vais récupérer. Mais bon, pas non plus la folie. Je sais qu'il y en a certains qui vont m'insulter quand ils vont m'entendre dire ça. Hop. Ah oui, t'avais faim. C'était faim, pas soif. Voilà, ma belle. Mange un petit morceau. Alors, ici, normalement, il y a encore de la M16, mais bon, elles sont pas full life. M16 et AK, je crois. Voilà. Hop, on se récupère ça. Donc, je vais taper ces coffres-là, le long. Je vais continuer le long. Tout simplement. Oh, bah, j'ai bien fait. Un petit litron, des petites plaques. Allez, deuxième vague de zombies. On s'en occupe tout de suite. Oh, pour le moment, c'est vraiment très 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 intéressant pour moi. Et là, j'ai repris un peu le farm pour faire mon charbon de bois, pour faire mes plaques d'acier, pour finir mon deuxième petit bunker. Allez, vas-y, ma belle. Voilà. Oh, ce que j'aime quand t'es comme ça, dis donc. Allez, on y va. On continue d'ouvrir. On est à 47 de bruit. Ok, tenue SWAT. Ok, je récupérerai à la fin. On va ouvrir celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore de la tenue SWAT. Est-ce qu'on en a une complète? Oui, on en a même deux complètes, je pense. Ouais, en tout, ça nous ferait trois tenues SWAT. Ça peut être vraiment pas mal. Bon, j'en ai plein des tenues SWAT, hein, mais à défaut d'autre chose. C'est 70 ou 76? 70. Ok, prochain coffre. La vague va pop. Ok, ici rien qui m'intéresse. Je vais péter ce coffre. Et puis m'occuper de la vague. Et ensuite j'irai mettre. Et combien de chaînes? Oh, 10 chaînes. 10 chaînes. 10 planches de chaînes. Dis-le en entier, c'est mieux. Allez, on y va. J'ai mon nouveau mode de machette. Qui est sympa aussi. Enfin, c'est pas un mode que j'ai eu, c'est une machette que j'ai récupérée sur ma vengeance de ce matin. J'ai juste rajouté la poignée pour un peu plus de durabilité. Et comme vous voyez, une machette, ça suffit à faire les trois vagues de mobs. C'est juste génial. C'est juste génial. Alors, on avait donc dit qu'on allait récupérer. Donc ici, bah, il y a éventuellement du fer. Ici, encore du fer. Voilà, on va lui laisser ça et ça. Ok, j'ai fait le couillon. Voilà. On va aller mettre des petits trucs dans le chopper. Hop.
Non, pour moi, c'est une assez bonne vengeance. Un assez bon raid. J'enchaîne tellement les deux que je sais plus à quel moment je fais un raid et à quel moment je fais une vengeance. Hop. Tac. Alors, on va mettre le VSS, la Scar que je peux modifier. Enfin, le VSS aussi. Parce que du coup, j'ai le double chargeur. Je suis en train de monter la lunette par 8, je crois. Il manque des pièces d'usine. Il faut que j'aille faire le commissariat. Alors, est-ce que je prends combien je suis de bruit? 78. Allez, on va ouvrir celui-ci. Ouais. 85 et 8, 93 et je m'arrêterai là, je pense. Ok, rien qui m'intéresse. Donc, on va pouvoir s'équiper. Voilà. Ici, alors, on va se mettre. J'organise un petit peu tout ce bazar. Tac, 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 tac. Je vais récupérer une seule hache en fait. Et le reste, je vais lui laisser. Ah bah non, non, c'est bon. En fait, c'est bon. Bon, bah voilà. Voilà. Moi, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal. On est vraiment pas mal. Je vais rechecker un dernier coup, voir si j'ai rien laissé. Bon, ici, non. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Ici, rien non plus. Ici, rien. Voilà, il y a... Oh, il y a un petit sac à dos militaire. Oh, bah attends, mon pépère. Il était bien caché, lui. Non, j'ai plus besoin de fer. Je vais laisser ça. Voilà. Laisser la petite hache. Ça, c'est craftable. Du coup, est-ce que je prends... Ah, bah attends. Attends, 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 Jeannot. On va faire comme ça. Regarde. Hop. Est-ce que j'ai laissé ma hache? Je sais plus. Voilà. Hop. Voilà, on fait comme ça. Du coup, je sais qu'il a ouvert ces coffres-là, il n'y avait que du fer et du cuir. Et un circuit. On va essayer d'ouvrir ces deux-là. Voir s'il n'y a pas un peu de chaîne dedans. Non. Et non. Eh ben tant pis, il n'y a pas de chaîne. Allez, on se casse. Ouais, salut le gros. Allez, pardon, monsieur, dame. Ouh là là. Oh, j'ai failli mourir bêtement en sortant de la base. Alors ça aurait été le fail énorme. Bon, bah écoutez, pour moi, on est bien. Un bon petit raid. Il est moins intéressant au niveau arme à feu que les derniers que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais... Bon, j'ai de l'acier, j'ai du chêne, j'ai de l'alu. J'ai quand même deux tenues, trois tenues SWAT. Enfin, une qui a... Oh si, ça va. Elle n'a pas pris trop de tartines. Par contre, ma life... Waouh. On va aller manger des carottes. Voilà. Bon, ben, on va payer les raiders et puis relancer un raid. Enfin, des quêtes. Je pense que d'ici demain matin, vous aurez un nouveau... une nouvelle vidéo de vengeance. Bah oui. Non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Faut que tu donnes des sous au monsieur. Alors, hop. Moi je m'embête plus, je donne les. Ça, c'est les 4 filtres que j'ai eu à mon bunker hier. Voilà. Un seul, il est content, Michel. Allez, sauve-toi vite que je te rappelle. Hop. Alors, on va aller ranger deux, trois petites bricoles rapidement. Ok, ça commence à monter, à remonter l'acier. Bon, là, le fer, mon stock remonte aussi. J'avais les plaques d'alu, pourquoi je ne les ai pas posées? Voilà. Là, j'ai plus de place. Ok.
On va y poser vite fait le chêne et on va retourner voir nos copains. Alors, qu'est-ce que vous me proposez, messieurs? Ok, 5 tourelles. Et le bunker, c'est le SS2. Bon, bah ça va, c'est pas trop compliqué. Ça me va. Ok. Eh bien, écoutez les survivants, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra éventuellement de tomber sur les coffres les plus intéressants. Si jamais j'ai raté quelque chose, et que, enfin, vous avez fait cette base et que j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, comme ça pourrait éventuellement permettre à d'autres joueurs de tomber sur votre astuce aussi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!